Tu t'es dit que l'équation était super simple. Plus de muscles égale plus de meufs. Et c'est pour ça que t'as commencé à la muscu, c'est pour ça que tu t'es mis au sport. Hein. T'inquiète pas, j'ai fait pareil. Mais du coup, je vais te partager un petit truc que j'ai appris. Si je te dis qu'il existe un moyen naturel, super simple, un truc vraiment tellement simple que c'est impossible de ne pas y penser, qui te permet de gagner 40% de muscles en plus, qu'une personne qui n'appliquerait pas ce conseil alors que vous avez le même programme, la même diète, les mêmes objectifs. La seule différence, c'est que vous faites cette petite chose. Cette chose, c'est dormir. Dormir au moins 8 heures par jour. Idéalement, entre 8 et 10, c'est superbe. Entre un groupe de personnes qui suit un programme qui dort entre 5 et 6 heures par jour et un autre qui dort au minimum 8 heures par jour, il y a une différence de masse musculaire créée de plus de 40%. Donc avec le même programme que quelqu'un d'autre, si toi tu dors plus de 8 heures par nuit, tu peux gagner jusqu'à plus de 40% de muscle en plus. Donc tu seras plus musclé, donc tu vas plus pécho. L'équation elle est super simple. Plus de muscle égale plus de meuf. Plus de sommeil égale plus de muscle. Plus de sommeil égale plus de meuf. Ce qui compte le plus parmi ces 8 heures de sommeil, c'est vraiment les heures de sommeil qualitatif. En gros, sur la période où t'es au lit, tu vas dormir seulement 80% du temps. Donc je vais te donner quelques petits conseils que tu peux mettre en place dès maintenant pour avoir un meilleur sommeil. J'essaie de les appliquer moi-même et c'est pas tous les jours facile. Mais si ça te permet d'avoir plus de muscles, bon, tu vas bien faire un petit effort. Quelques petits conseils que tu peux mettre en place dès maintenant. Le premier, si t'as un tout petit peu d'argent à investir dedans, achète-toi un vrai bon matelas. Je me suis pris les matelas Emma, la marque qui sont super bien en ce moment. Et avant, j'avais un vieux matelas où dès que je posais mon cul dessus, ça faisait un V comme ça. Ça a tout changé. Je dors beaucoup mieux et j'ai un sommeil beaucoup plus réparateur. Classique, éviter les écrans à peu près une heure avant d'aller dormir. Et il y a un autre truc que tu peux faire qui est très simple aussi, c'est faire de la méditation. Tu peux le faire dans la journée comme ça, mais tu peux t'en caler une séance avant de dormir, ça peut t'aider. L'idéal, c'est aussi de créer une routine, d'aller à peu près tous les jours au lit à la même heure et de te réveiller à peu près tous les jours à la même heure. Alors bon, si t'as un travail avec des horaires qui varient, c'est plus compliqué, mais l'idéal, ce serait vraiment de pouvoir aller au lit tous les jours. Tu dis voilà, 21h30, j'éteins tout au lit et comme ça, à 6h le lendemain, je suis réveillé, c'est nickel. Évidemment, t'évites café, thé, clope, alcool, tout ça, normal. Et un truc dont on ne pense jamais et dont j'ai jamais entendu parler avant il y a quelques semaines, pense à respirer par le nez au lieu de la bouche. Juste ça, déjà, tu commences à appliquer ça, tu devrais avoir un sommeil un petit peu meilleur. Scroll sous la vidéo et clique sur le lien dans la description pour t'abonner à ma newsletter. À la prochaine !